Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 19 août 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Résumons d'abord le quintet de la veille qui avait lieu ce mardi sur l'hippodrome de Clairefontaine en Normandie. Le prix Robertet est enlevé de très peu par Featuring, le numéro 7, qui s'impose dans une arrivée extrêmement disputée. Turf Sélection s'illustre en donnant tierce et quarte et quinte et plus dans le désordre, ces derniers faisant respectivement 125,90 €, 238,68 € et 434 € pour 1 €. Pour ce qui est du concours de pronos gratuits, détachons une nouvelle fois le podium du jour. Handicap prend la pole avec 665,50 € en donnant quinte et désordre accompagné des bonnes bases. Méthodiste et Zéol 59 le suivent en affichant un petit point de moins à leur score total mais en donnant aussi le quinte et plus dans le désordre. Bravo à tous les trois! Allez, étudions à présent le quintet plus du jour qui aura lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes lors de ce 19 août 2020. Le prix de Beaune, course européenne à l'allocation totale de 49 000 €, réunira de bons éléments âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné plus de 325 000 € depuis le début de leur carrière. Sur le tracé des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, ils seront 14 à s'affronter lors d'une course promettant de très jolis rapports dans l'ordre. Goofy Greenwood, le numéro 1, est le cheval de talent du lot. Appréciant particulièrement la piste de Vincennes et notamment le tracé du jour, il décevrait sérieusement en ne montant pas sur la plus haute marche du podium. Brillant Madrid, le numéro 13, vient de faire sensation du côté des Sables d'Olonne et son entourage attend logiquement qu'il répète cette tentative, mais cette fois dans le top du trot français. Django du Bocage, le numéro 12, est d'une dureté sans nom. Si tout se passe bien pour lui durant le parcours, il peut réaliser un numéro ici et faire plaisir à son pilote, Johan Le Bourgeois. Crescendis, le numéro 11, a de la classe, beaucoup de classe même, et sa forme étant sûre, impossible d'aller contre sa candidature avant coup. Charme de Star, le numéro 10, a de grosses qualités, et s'il est bien luné, il peut faire plaisir à la famille Monclin en terminant dans les 5 premiers. Digne et Droit, le numéro 14, est un compétiteur capable d'accrocher une 5e place s'il n'en fait pas trop durant le parcours. Enfin, en cas de non partant, le numéro 7 d'Ascalia, qui a un bon finish, entrera alors dans nos pronostics en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.